Comment ça a commencé, Victoria, que tu t'intéresses tant au meurtre puis à ces affaires-là? Parce que là, tu sais, aujourd'hui, tu fais pas juste t'y intéresser, je veux dire, t'es impliqué dans ces histoires-là aussi. Tu reçois les familles de certaines victimes ou de certains disparus. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à te regarder tout ça, t'étais pas encore aussi impliqué. On voyait plus comme quelqu'un qui trippe qui trippe là-dessus un peu comme quelqu'un qui trippe sur une série, tu sais, mais je pensais pas que tu irais jusqu'à même t'impliquer. Comment ça a commencé, ben, ça? C'est sûr que, en plus, quand moi j'ai commencé, il y avait presque pas de true crime, là. C'était pas à mode, là. Toi, t'étais dans mes premiers, là. Je me rappelle, ça fait longtemps, là. Ouais. Mais, tu sais, le true crime était pas à mode comme là, là. Mettons, là, tout le monde a des podcasts, chaînes YouTube, toutes les séries sur Netflix. Mais moi, c'est comme juste un. Ben, je pense que tout le monde est un peu intéressé par ça, puis c'est juste comme j'ai décidé d'en faire mon métier, entre guillemets. Ouais. Mais tu sais, on le voit aujourd'hui, justement, avec tous les podcasts, puis toutes les séries sur Netflix de True Crime. Les gens aiment ça en général, tu sais. Puis ça a toujours existé avec Canal D, fait entrer l'accusé en France. 48 Hours Mystery. Dateline 2020. Tu sais, ça a toujours existé. Mais c'est parce que là, avant, j'aurais toujours voulu parler aux familles, c'est juste que j'étais pas vraiment connue, j'étais pas, on me prenait pas au sérieux parce que j'étais sur YouTube, mais là j'ai écrit des livres, là j'ai eu mon émission, fait que les familles, c'est eux qui me contactent en fait, puis qui me font confiance avec ça. Ça te met pas une espèce de pression ou de dire, moi je suis juste une YouTubeuse, puis ces gens-là font appel à moi, tu sais, ça te met-tu une petite pression, genre, ah, Colin, il faut qu'il soit rendu... Faut qu'il soit rendu désespéré pour faire appel à moi qui est une YouTubeuse, tu sais. Je me rappelle un cas là qui une personne un membre d'une famille là qui me elle me lâchait pas là, tu sais, j'y répondais pas pendant une semaine puis elle se fâchait contre moi. C'était comme vraiment intense, j'en avais parlé. En même temps, j'imagine il faut que tu comprennes sa réalité, que elle a soit une personne disparue ou exactement, puis c'était comme ça se passait comme en ce moment. Mettons, ça avait 2 ans, là. Ça faisait 2 ans que la personne avait disparu. Puis, j'avais comme. Quelqu'un avait offert mon aide, puis j'avais accepté. Bref. Puis. Mais c'était comme beaucoup. J'étais là, je suis pas ton avocate. Puis, même après la vidéo, là, que j'avais faite, c'était pendant des mois, là. Ils m'écrivaient tout le temps, là, c'est quoi les updates, puis genre. Puis, c'était comme d'une limite agressif, là, comment il était avec moi. Fait que ça, j'ai pas trop apprécié. Mais les autres familles, c'est que quand ça fait 20 ans que la personne est disparue, puis moi, je fais une vidéo, c'est juste positif pour eux, dans le sens que c'est juste un petit espoir de plus, mais elle a pas vraiment. Puis genre, récemment, j'ai rencontré les parents de David Fortin, là. J'ai passé 2-3 heures avec eux, puis ils font confiance à la police, t'sais, oui, mais genre, leur espoir est pas tout mis dans ma vidéo que je vais faire, là. C'est juste comme du positif. Je sais pas ce que... C'est comme un plus, là. Eux autres, ils voient... Quand t'es direct dedans, j'imagine... tu mets tes espoirs un peu, mets tes espoirs comme genre, comme si t'engageais un private detective. Exactement. Là, moi, Tandis que ceux que ça fait 20 ans, ils font, ben regarde, si ça peut aider, merci. Si ça, d'un coup, tu sais, t'arrives au bon moment avec ce style-là, parce que, comme tu le dis, tout le monde trippe, tu sais, il y a eu il y a eu le podcast Serial, puis après ça, Netflix. On l'écoute en char en ce moment. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, vous écoutez ça en ce moment. Puis ça, tu sais, ça a donné lieu à plein de... C'est la première fois qu'on voyait le podcast, genre comme ce genre de médium-là qui pouvait être un espèce de documentaire ou d'enquête, tu sais. Puis là, il y en est né plein. Puis en même temps, il y a plein de chaînes YouTube qui ont explosé. Puis Netflix arrête pas de déverser des crime docs, là, tu sais, là, puis... Mais j'étais comme au bon moment, parce que moi, j'étais comme 2 ans avant. Mettons, 2 ans avant que tout explose. Puis déjà, là, ça commençait à aller quand même bien. Fait que là, évidemment, quand tout ça est monté... Mais là, il y en a, tu sais, des YouTubers de true crime, par exemple, il y en a beaucoup, tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, ouais, 15 juste au Québec, à peu près. Non, au Québec, il y en a presque pas. Il y en a pas tant. Des podcasteurs, là, plus, mais des YouTubers, il y en a pas beaucoup. Mais tu sais, c'est...
pas je suis un boomer, je sais pas c'est quoi la différence entre YouTube et un podcast, c'est pareil pour moi. Mais c'est comme genre je cherche un cas, mettons le nom d'un cas sur internet pour écrire un chapitre là-dessus ou quelque chose que je pense qui est pas full connu. Là, je vois genre 4 vidéos YouTube, je suis genre ouais. C'est plus ça, mais c'est pas grave. Ça, est-ce que ça te freine de faire une vidéo quand que tu vois ça? Ben mettons une vidéo là, l'autre fois j'avais fait des full de recherches sur un sujet, là j'arrive, je cherchais comme une photo. Là, je vois, hostie, il y a un YouTuber de genre 1 million d'abonnés ou genre Squeezie qui a fait une vidéo là-dessus. Un mois, je suis là, ben, j'en ferai pas. C'est vraiment dommage, mais t'as gardes-tu pour plus tard? Tu dis-tu, ben, quand son buzz va être passé, moi, je vais essayer de... Ouais, mais mettons, tu sais, même un an plus tard. Ah, ouais, peut-être. Cette fois-là, je l'avais gardé. Ouais, OK. Ouais. Ah, fait tu sais, puis Squeezie, Chris, il y a des millions puis des millions, non, là, tu sais, là. Ouais, mes fans, ils le suivent, là. Fait que, Ah, tabarnouche. T'as-tu peur, un moment donné, de... Tu sais, on peut penser, ils vont en avoir éternellement, là, du monde qui vont disparaître, puis du monde qui vont se faire assassiner, là. Mais t'as-tu peur à un moment donné de manquer de matière? Ben non. Ben non, il y en a tellement. C'est malade. Ça t'as pas aidé, Yann, je pense, là. Non, mais tu sais, on parlait de 2020, 48 Hours Mystery Dateline. Il y a The First 48 sur TLC. Puis toi, t'en regardes beaucoup. Moi, j'en regarde beaucoup, puis les crimes, ils se dédoublent même pas. Il y a tellement de crimes aux États-Unis. Ça fait des années que ça existe, puis tu me donnes des idées. Puis là, je regarde, je dis, hey, je connais vraiment pas ça. Ouais. Là, c'est... ouais. Oh, non, non, juste l'année passée, le gars qui a tué sa femme qui a fait passer ça pour le COVID. Tu sais, ça, c'est tellement récent, c'est vraiment mystérieux. C'est quoi ça? Hey, je rappelle, j'ai une vidéo là-dessus, tu iras voir. Là. c'était à 48 Hours Mystery qu'on l'avait vu. Puis, qu'est-ce que c'est drôle? Ouais. Le gars, puis personne. Ça, c'est Evil Mind! Personne pouvait venir chez le gars voir si leur fille était vivante. Et tu pouvais pas aller chez le monde. C'est au début, là. Ouais. Il dit à ma femme est couchée, elle fait de la fièvre. Là, il est rendu à l'hôpital. Personne ne pouvait la suivre. Personne ne pouvait la tracer. C'est vrai. Puis, tu sais, même le true crime, moi, je fais des vidéos. Tu sais, comme là, je t'ai prêté un livre de Stone Age. Ouais. Moi, je ferai une vidéo d'une heure là-dessus. C'est pas du true crime, mais c'est mystérieux. Les gens, ça touche un peu à tout. Ouais. Notre premier date, j'étais quasiment trop groupie. moi, j'étais un fan du style. Ouais, c'est ça que j'allais demander. C'est-tu Victoria qui t'a induit ça? Non, moi, j'ai trippé là-dessus. Même quand je savais qu'on était pour comme aller en date. Tu sais, il fallait... J'étais comme, OK, comme, tu sais, quel meurtre je vais y parler? T'as choisi tes pick-up lines quand t'as fait comme un Casey Anthony. Attends, on va sortir les gros canons. Les frères Menendez, parle-moi-en. Moi, j'aime penser que j'étais un aficionado du O.J. Trial. Je veux dire, je l'ai écouté en direct quand ça a joué. Je me souviens de toute cette année-là. C'est l'année que j'ai lâché le cégep pour écouter O.J. Simpson à la TV. Puis pendant la pandémie, j'ai le case au complet de O.J. est sur YouTube. Puis je l'ai réécouté au complet dans mes temps libres. Puis en m'endormant le soir. Puis avec Vic, on a quand même une bibliothèque quand même impressionnante de livres de true crime. Fait que j'ai lu Marcia Clark récemment. Non, mais en plus, on a parlé quand même beaucoup de O.J. ensemble aussi. C'était comme un sujet, là. Travaille pas comme... Puis on a donc cherché la vidéo de lui qui passe derrière les Menendez. Les Menendez sont en prison. Puis il y a O.J. Simpson qui passe en arrière. Mais on n'a pas trouvé la vidéo. Pour vrai? En fait, c'est O.J., il parle à son avocat, puis tu vois un des frères Menendez passer en arrière dans le background. J'ai reçu un gars, il s'appelle Sébastien Brassard. C'est un espèce d'aventurier collectionneur un peu. Il y a une carte de basketball. C'est une carte de collection. Il y en a pas beaucoup. C'est la carte qui a incriminé les frères Menendez. Parce que c'est une carte qui a été importante dans le procès parce que c'est une carte de joueur. Tu sais, admettons une carte OPG. Mais derrière le joueur de basketball, tu vois les deux frères Menendez qui sont courtside. Ah, ok, ça, je savais pas. Puis ça a servi dans le procès pour démontrer que, tu sais, les frères Menendez étaient fortunés, là. Tu sais, il avait fait de l'argent. C'est ça, tu sais. Puis c'était beaucoup pour l'argent, puis qu'il se payait des luxures comme ça, là, tu sais, d'aller courtside. C'est une carte qu'il avait. Puis il me l'a montré, c'est live. C'est une des cartes qui a servi au procès. Les gens peuvent aller voir, s'ils connaissent pas les frères Menendez, peuvent aller voir ma chaîne. Ah ouais, hein? Quel cas pareil. Il y en a des bons, il avait fait
fait un made-for-TV movie qui était poche, mais oui. Ça aurait mérité un vrai film hollywoodien, ça, oui, je oui, pense. Oui, vraiment. Tellement que le meurtre en tant que tel, mais après ça, tout le procès, là, non, tout ce qui le père, là, aussi, il était très connu dans le monde de la musique, là. Genre, c'était un haut placé, là, de... C'était pas la compagnie, c'est pas, je pense. L'IMI, c'était-tu une affaire ouais, normale? Ça. Ouais. Ouais, ça me dit puis, quoi? Non, mais je pense que les corps étaient même pas encore froids, qu'il y avait des propositions de films là, pour ça. Ah, ouais, non, ouais. C'est ça. Mais c'est de même aux États-Unis, tu sais. Ouais. C'est de même aux États-Unis. Ici, on fait pas tant que ça. Malgré qu'on a passé pour s'en venir ici devant Fortierville. Ah oui, l'avez-vous reconnu la maison de non, la... tu m'adonneras. Ouais, on va aller voir après. Ah ouais, je vais. Oui, ouais, tu vas voir. Tu passes devant. C'est Mike qui me l'a montré. En suivant en auto, puis il dit tu vas voir. Il dit je vais ouvrir la. Comment il a fait ça? Il dit je vais ouvrir la fenêtre puis pointer ou quelque chose de même ou je vais flasher des lumières. Il a fait de quoi? De quoi de bien, bien visible pour me démontrer que c'était la maison qui avait été. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à littéralement 10 minutes de la maison où est-ce que Aurore... Je ne l'ai pas dit où t'habitais, mais... a été assassinée à on la parle maison pas, a été tournée à la télévision. On parle de la vraie Aurore, là. Aurore Gagnon. Faudrait que je me renseigne. Il doit y avoir de quoi... tu sais, il y a peut-être, je sais pas, un parc d'attractions. un parc non, d'attractions mais thématique. Sûrement, ça tombe. La pièce des tortures.